Eh bien, salut tout le monde, c'est Cyrus et on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre mode Pro Team sur le Tour de France 2015. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi je vais très bien, les amis. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier énormément Flavio qui m'a gentiment fait ma bannière et mon logo, ainsi que les miniatures du mode Pro Team. Donc, n'hésitez pas également à le remercier dans les commentaires, car si j'ai une aussi bonne bannière et logo et miniature de Pro Team, c'est grâce à lui. Donc voilà, un grand merci à toi Flavio pour tout ce que tu as fait pour moi en termes de miniature, bannière, tout ça. Et puis je voulais aussi vous dire que je suis passé partenaire, et ça c'est grâce à vous et je tenais à vous le remercier. Je suis passé partenaire avec Gameoniac et vous pouvez avoir un code de réduction de 7€ grâce au code Styros-Cyclisme-Gamo7. Donc à votre inscription, de toute façon dans la description de toutes mes vidéos, maintenant il y aura le lien pour y aller sur le site. Vous pourrez rentrer ce code à votre inscription sur le site pour avoir des jeux moins chers. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et tous les mois, j'aurai un code cadeau de 25€ à vous faire gagner. Que je vous le dirai dans des vidéos au pif, comme ça. Donc restez à l'affût. Donc voilà. On peut commencer cette vidéo. On est en 2017 avec notre bonne équipe. La dernière fois, on a failli gagner le critérium international, mais on ne l'a pas gagné. Aujourd'hui, on va faire les trois premières étapes de ce critérium du Dauphiné avec le premier chrono, ce prologue pardon, entre Nevers et Nevers de 2 km, une étape de plaine entre Retournac et Saint-Vallier et une étape de vallon entre La Palisse et Lyon. Et la prochaine fois, on fera la montagne de Lure et le plateau des Cossoles, tout simplement. Comme ça, ça sera pas mal. Et puis voilà, on est parti les gars, on va pas perdre plus de temps que ça, pour ce critérium du Dauphiné, saison 2017 du coup. On avance déjà pas mal. Et normalement, aujourd'hui sortira la FAQ, soit elle sortira avant cette vidéo, vous la verrez déjà, donc ça sert à rien que je vous le dise, ou soit elle sortira après si elle n'est pas encore sortie, mais ne vous en faites pas, je suis en train de bosser dessus, car vous avez été très nombreux, je dois avoir une soixantaine, septantaine de questions en tout, je pense qu'elle va durer pas mal de temps. Là, je suis en train de prendre tous les commentaires, tous vos commentaires, toutes vos questions. Alors, je pense qu'on va prendre Anacona pour ce chrono parce que la dernière fois je l'avais pas pris et ça s'était payé cash, ou alors on prend... Franchement je sais pas. Non, on va prendre Barta. On va prendre Yann Barta, c'est mieux, on va laisser Anacona se gérer tout seul. Maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Ok. Allez, c'est parti avec Yann Barta sur ce chrono. On avait fait une belle troisième place la dernière fois, du coup il y a moyen de faire beaucoup mieux. Même s'il y a des meilleurs coureurs hein, maintenant. Sur le Dauphiné, par rapport au critérium international, il y a des meilleurs coureurs. Donc je sais pas s'il est capable de gagner, Yann Barta. Ok. On prend bien les virages pour le moment. Ok. Hop, là c'est un faux plat montant. Allez, un fond jusqu'à la ligne. Ok, allez Yann. Oh, on a magnifiquement géré, là on a été en défaillance. Puis, allez, 1 mm avant la ligne, on a été en défaillance, c'était parfait. On a bien relancé au bon moment. Est-ce qu'on gagne? Non, Yann Barta. Il est où Yann Barta? What? Il est 16ème Yann Barta, 8 secondes. Anacona perd 34 secondes, ouais, ça va. Ça va encore. Les gars, ils étaient en super forme. Anacona était en super forme, donc ça va. Il a limité la casse, il est avant-dernier. Écoutez, Tom Dumoulin sera le premier maillot jaune de ce critérium. On boit Sonagun qui fait une très belle deuxième place. Écoutez, on va continuer. Petite sauvegarde. Calme. Hop. Ok. 10 000, c'est pas mal. Et on est parti pour cette deuxième étape de plaine. Les équipes de sprinteurs tenteront sûrement d'imposer leur rythme, mais les côtes situées dans le final permettront aux plus audacieux de contrarier leur plan. Écoutez, c'est parti pour cette étape.
je voulais vous parler aussi d'une chose, c'est que je pense commencer des lives, vu que maintenant je commence à avoir une bonne communauté derrière moi, du coup je pense faire des lives sur Tour de France et PCM, et je pense en faire un ce soir, de live sur Tour de France, on sera un pro team, ou alors un tour, comme vous voulez, donc n'hésitez pas à venir nombreux, la chaîne Twitch sera dans la description, et de toute façon, vous, si jamais il y a un live ce soir, vous verrez une vidéo annonce sur la chaîne arrivée d'ici peu, tout simplement. Voilà. Alors, temps de chargement toujours hyper long. S'il te plaît, le temps de chargement, accélère quoi. Pète un câble. Bref. Ok. Nari Limpei, faire un top 25 à l'étape, il y a moyen de faire mieux, je pense. Et pourquoi pas demander à quelqu'un d'aller dans l'échappée. Pourquoi pas Simon Yates. On va demander à Simon Yates d'aller dans l'échappée. Et pourquoi pas qu'il prenne un petit maillot. On va essayer de viser un maillot à poids avec Simon Yates, ça peut être pas mal. Et puis on aura Landa pour nous occuper en montagne. Ok, alors. N'oublions pas que c'est des... Mesdames et messieurs, bonjour. Les pronostics sont assez ouverts pour cette étape. Les côtes situées en fin de journée devraient mettre en difficulté les sprinteurs, mais il n'est pas certain qu'ils perdent contact avec le peloton. Ok. Donc, j'allais dire... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que c'est des variantes des étapes, et ça, ça fait plaisir de ne pas tout le temps avoir les mêmes étapes. Là, ça permet d'avoir des étapes différentes sur le critérium du Dauphiné, et ça fait plaisir. Bon, après, j'espère que ils nous ont pas créé qu'une variante, parce qu'on a vu que sur le critérium international... Apparemment, la première étape avait changé. J'ai pas fait gaffe. On l'a dit dans les commentaires, donc apparemment ça aurait changé la première étape. Donc voilà, mais sinon ils avaient gardé deux étapes sur les trois et j'espère qu'ils vont changer et qu'on n'aura pas toujours le Mont Ventoux au critérium international parce qu'à la longue ça va être répétitif je pense. On va prendre les points tranquilles là, on va prendre deux points. Surtout que c'est les premiers points donc on pourrait être le premier maillot à poil avec Simon Yates qui est en excellente forme. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Mais si. Il y a Stephen Kunks derrière de la BMC. On prend les points tranquilles. On prend deux points. Tu viens de prendre la tête du classement des meilleurs grimpeurs. C'est bien. Continue comme ça. Voilà le peloton. Est-ce qu'il va laisser partir le peloton? On peut tenter. Simon Yates, si je regarde un peu, il laisse pas trop partir. Il a pas laissé partir. On m'a dit aussi de laisser partir et que quand je voyais que ça prenait trop de temps, de rejoindre. Le peloton roule fort, restez bien placé. Il roule là. Ouais, il roule. Et on va essayer de faire ça, je pense. Ouh là, on a 1,5 km quand même, on va attaquer. Ouais, on est très loin, on sera pas attaqué. Bon, qu'est-ce qu'il faut à la 160e place, quoi. On va attaquer après cette côte. Oh là là. En plus, pour remonter, je vous dis pas la galère. Allez! Oh là là! Qu'est-ce qui s'est foutu dans la merde, là, Yates? Ah ouais, ils sont au sommet, là. On va pas pouvoir prendre les points, c'est le peloton qui va les prendre, ou alors ça va attaquer, je sais pas. On monte petit à petit. Il y a personne qui attaque. C'est assez étonnant, personne ne veut les points. Tant mieux pour nous. Lui, Westra, qui est parti. Il a juste pris les points. Le peloton vient de oh là rentrer. Là, la galère qu'on peut remonter. C'est un peu le bordel. Thomas Vaucler et Kreuziger qui sont là. Oh là là. Michael Nievé. Ok. Il y a peut-être de l'espace sur la gauche là de la route. Ah, Simon, dégage. Ok. C'est parti, hein. C'est parti. J'arrive pas à remonter moi. Oh là là. Les gars, laissez-moi remonter. Il prend virtuellement la tête du classement général. Ok, on est remonté. Viermoz, il est là. Maxi Viermo. Ok. Oula, c'est pas une bonne idée ça. Oh là là. Allez, Simon Yates. Les hommes de tête creusent l'écart, mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Pourquoi ils roulent quand il y a Simon Yates qui part? Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Pourquoi ils roulent quand c'est Simon Yates qui part? Il est pas dangereux pourtant, Simon Yates. Simon Yates n'est pas dangereux du tout.
peur un avion qui passe. Non, écoutez, ils vont pas nous laisser partir. Ah, quoique. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné, apparemment. Enfin, oh là là. Non, ils vont pas laisser partir, Simon Yet. Tant pis. On prendra pas l'échappée aujourd'hui. Et on va se concentrer avec Daryl Impey sur les sprints. On va même directement passer sur lui. Daryl Impey. Je pense faire une petite session, donc je pourrais pas vous voir vos commentaires pour cet épisode. Parce que là, je compte tourner peut-être un, voire deux épisodes à la suite. Après celui-là encore. J'hésite à faire tout le Dauphiné en entier de mon côté. Parce que j'ai pas mal envie de jouer pour le moment. Du coup, je verrai. Je suis désolé pour la vibration que vous avez eue. Ok. Alors, on va reprendre bientôt. Ouais, 10 km de street, on va reprendre. Avec Daryl. Pour prendre des points. Ouais, il y a du. Oh là là. Il y a du. Oh putain, mais qui. Pourquoi ils sont toujours mal placés comme ça? 140e quoi. Oh là là, ça va être la galère pour remonter, hein, je vous le dis. Attention à lui, ça va que sur la gauche, c'est pas mal dégagé. Il peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse, mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Zerlowski, on prend sa roue. Hop. Oh là là, ça va être la galère pour remonter. Sur la droite. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Sur la droite, on peut. Oh là là. Ah, ça se referme. Non, laissez-moi passer. L'échappée perd du terrain. Oh là là, les gars, 5 km. Allez, laissez-moi passer quoi. Oui, oui, oui. Ah, mais ça roule fort en plus. Putain, en plus il bouge, hein. C'est con. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Oh, la galère pour remonter. Il a remonté tout juste quand même. Heureusement que j'ai repris à 10 km et pas à 5. Il y en a Serboigny qui est là. Tom Dumoulin. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. On est à 2 km encore. Hein. On est encore à 2 km. Ça part déjà. Ou en boss comme ça. Oh là là, ça va faire mal ça. Oh, ça va faire mal. Edval Boissenhagen, il est là. On prend sa roue. On va le doubler. Bien joué. Ok, on va prendre une belle place là avec Daryl. On a Serboigny qui a gagné. Démarre devant Boigny, pardon. On prend 7 points. On est 9ème. On va demander à tout le monde de prendre le ravito. Bien reçu. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course. T'inquiète. Ok. On est pas mal. On est rentré dans le peloton tranquillement. On va reprendre au pied de la dernière bosse, la quatrième catégorie. Je sais qu'ils prennent cher. Je sais. Oh là là. Ils ont déjà pris très cher, quoi. Anacona aussi, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils foutent en 100ème position aussi? Oula. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Qu'est-ce qu'ils foutent en 140ème position? Je me le demande bien. Parce que ça va être très chaud de faire une place là. C'est un routier puncher à l'aise sur les parcours vallonnés. C'est bon, ça a arrêté de rouler un peu. Je trouve assez tranquille là. On peut se récupérer un peu. Dernière côte de la journée pour les hommes de tête. Une fois au sommet, ils sont dedans. Il restera Martin qui a lâché ses compagnons. Oula, on va prendre cher dans la côte avec Impey. Surtout qu'elle fait combien? Elle fait quasiment 3 km. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. J'ai l'impression que juste sa carrette, c'est un truc de fou. Peut-être une impression, je sais pas. Les premiers sont à 2 km du grimpeur.
Oh là là, mais ça roule trop vite. Pourquoi il roule aussi vite? Fort, restez bien placé. 2 minutes 30, ça ira au bout et ça sert à rien de continuer à rouler. Elle arrive encore à creuser les cales. Oh là là. Oh, ça va... Elle va être très longue cette route. Elle va être les très très longue. Roule pour protéger le maillot. Ça sert à rien, votre maillot, vous l'avez perdu, les gars. Oh là là. Ça roule très très fort. On roule même trop fort. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Pierre Rolland est là. Un kilomètre du sommet, ce serait cool qu'on gagne, qu'on garde notre gâteau. Nouveau maillot à poids. Et ils vont mal gérer. Hein. Non, ça va. Voilà le classement du dernier grimpeur. Là. Changement de leader Mais en que... tête du classement des meilleurs jeunes. Ouais, j'ai dû prendre mon gâteau, on est au sommet, plus c'est dommage. Vient de se faire lâcher. Oh, Modolo. Oh, il y a des sprinteurs qui lâchent. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il T'es au boss. Il ah, y a des. Non, faut pas lâcher. Ah, je peux pas sprinter, j'ai pris mon gâteau. Oh, ça, ils sont en train de partir là. Oh là là, c'est très dur. On a un petit groupe là. Avec les. Oh là là, ils m'ont bloqué. Et d'une force. Faut que je récupère là. Faut que je récupère avec Daryl. Sinon, on va pas terminer l'étape. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Oh là là, j'ai cru que j'allais tomber. On arrive à rentrer, il n'y a pas de sprinter. Il y aura juste un virage. S'il y a Tom Bonin, c'est tout. Donc, si on arrive à rentrer. On a un petit groupe là. Il vient de tomber. Pas, comment. Il risque de perdre du temps en général. C'est très chaud. C'est très chaud derrière avec Anacona. Notre leader est tombé. Oh on non tout de suite pour qu'il ne perde pas de temps en général. Aïe aïe aïe. Pourquoi. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Reçu 5 oh, sur Anacona, 5. Il va faire on reste au chaud. Il est dans le groupe de derrière, il essaie de revenir, il va faire une fringale. Et ça va se battre devant. Oh, ils sont revenus à une minute. Arthur Vichot qui a attaqué. Arnaud démarre, il est là avec Tom Bonnen. À 2 km de la ligne. Ça joue entre démarre et Bonnen. Et moi, je peux plus suivre. Je peux plus suivre là avec Daryl Impey. On est avec Boisson à gueule. On est avec des sprinters, on va terminer avec eux. Simon Yates est là, on va juste passer sur Anacona pour voir où il est où. 3-15, oh là là, il a tellement fait de la merde. L'étape de plaine qui a fait des dégâts quand même. Hein. Elle a fait des dégâts cette étape. J'ai l'impression que le jeu saccade, c'est horrible. Oula, le petit. Oula! C'est qui lui? Reza. Kevin Reza. Oula, non. Va faire des fringales. Ça va nous tuer si on fait une fringale. Ok. Ah, on a pris très cher hein, avec Anacona. Ça va être très très chaud. Je sais pas pourquoi le peloton a roulé comme ça. Un truc de malade. Oh lolo. Je comprends pas en fait le peloton dans ce jeu. Il roule comme des porcs tout le temps. C'est un truc de fou. Paul Martens qui s'impose en solitaire. On prend déjà très cher. On prend une... Ah. Ouais, ça va. Ça va. Anacona 2.28. Ouais, 2.28 quand même. Il va vraiment falloir les récupérer ce temps. On est full énergie, donc ça va. On prend quelques primes avec Simon Yates. Et on est parti pour cette étape de vallon. Là, par contre, on va prendre Anacona dans le final parce que, quoi qu'il arrive... Daryl Impey ne suivra pas. Du coup, on va rester avec Anacona pour pas qu'il se fasse lâcher. Essayer déjà de récupérer du temps, ça peut être pas mal. Et essayer d'emmener Simon Yates dans l'échappée. Ça serait vraiment pas mal non plus. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous m'entendez moins fort. Alors que pas du tout, j'ai rien bougé. J'espère que c'est qu'une impression. Gerons, Bardet, Mollema, favori. Ouais. Anacona n'est pas un puncher, loin de là. Mais il y a franchement il y a moyen de terminer normalement dans le top 10 avec cette équipe là.
J'ai vu des autres youtubeurs qui ont réussi avec des équipes moins fortes que ça. J'ai vu Alex Gaming, pour ceux qui connaissent, qui a terminé avec Cyril Gauthier dans le top 10. Donc Simon Mietz et Yann Barta. Ouais. Finir dans les 20 premiers. Anacona en ballon 75. Ouais, il est pas mal quoi, il est pas dégueu. On va essayer d'envoyer Yates et Barta dans l'échappée. Et puis Jonathan Hiver, bah, il terminera pas. Enfin, il y a moyen qu'il termine dans le top 20. Hein. On va lui demander de nous protéger avec de protéger Anacona, comme ça il sera avec nous à la fin. Alors. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une étape qui pourrait bien sourire aux baroudeurs, le final n'étant pas vraiment favorable aux sprinteurs, avec deux côtes assez rapprochées dans Lyon. On peut dire d'ailleurs que celui qui passera seul en tête la dernière difficulté aura vraiment des chances réelles de s'imposer. Ok, on est parti avec Simon Yes, il y a Tom Dumoulin qui nous suit, l'ancien maillot jaune. Il y a Mollard, Demarquis et Offredo. Et ça roule, moi aussi pourquoi Tom Dumoulin il sort. On peut essayer de marquer des points pour le maillot à poids aujourd'hui. Mais attention à ne pas laisser trop de force. Les étapes de montagne seront plus décisives. Ok, on a lâché Tom Dumoulin. Il faut pas que Tom Dumoulin arrive à rester avec nous dans l'échappée. Ok. L'échappée n'aura pas été loin. Attention maintenant aux contre-attaques. On va attendre de reprendre un peu d'énergie et on va repartir. J'attends que Tom Dumoulin se renferme dans le peloton. Ça va attaquer là. Tentative d'échapper. Est-ce qu'il y a Tom Dumoulin? Oui, il y a Tom Dumoulin, qu'est-ce qu'il veut? Eh oui que ça va rouler, il y a Tom Dumoulin. Ah, moi je roule pas pour vous les copains. Excusez-moi. Petit éternuement et ça repart là avec Offredo. Est-ce que Dumoulin il suit? Ah ouais, Dumoulin, hein, qu'est-ce qu'il veut partir dans l'échappée? Il est 15ème au général. Il est con ce gars. Il est 15ème au général, il essaye de partir dans l'échappée. Normal que ça roule. Ça repart. Et on a plus d'énergie. J'ai pas l'impression que ça va nous laisser partir. Laurenton, il est là aussi. Pourquoi ils veulent déjà sortir eux? Ça leur sert à quoi de venir dans l'échappée? Tom Dumoulin qui relance. On est avec Mollard. Faut pas laisser rentrer là. Pourquoi il roule pas? Ah oui, c'est rentré. C'est pas totalement rentré, faut continuer à rouler. Il y en a qui n'arrivent pas à rentrer. Si, c'est bon, c'est rentré. Ça sert à rien. Le peloton ne laisse pas. En même temps, qu'est-ce qu'ils vont laisser partir Tom Dumoulin? Il est 15ème. Ils savent que s'ils laissent partir et que l'échappée prend trop de temps, il peut prendre le maillot. Franchement, là, je suis bloqué. Je sais pas quoi faire, là, avec... qu'on est repris. Ça repartirait cet homme du monde. Il passe à l'offensive. Est-ce que si... Il est sûrement intéressé par le prochain sprint intermédiaire, car il est bien classé. Attaque! Attention, il vise le maillot à poids. Attaque! C'est pas pour moi qui roule. Non. Ce n'est pas pour moi. Et ils ont laissé partir Tom Dumoulin. Ils ont quand même fini par laisser partir Tom Dumoulin. Est-ce que si on simule, je suis rentré. Est-ce que ça va partir? Oh là, il va se relâcher, Yates. Non. Putain.
Il s'est fait lâcher le con. Oh lolo, c'est quoi ça? C'est quoi? Oui, il s'est fait lâcher aussi. Il va rentrer, moi je vous le dis. Bon rouleur avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne pourquoi va pas il vite il s'est fait lâcher. Pourtant il a une bonne endurance, je sais pas. Je sais pas. C'est un bon puncher, il faut particulièrement le surveiller dans les bosses. Vous savez quoi, on va le laisser rentrer dans le peloton et on va ressortir plus tard. Parce que là, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. On va passer sur... Darryl Mpay. 51ème, ça va, il est pas... Les gars, heureusement, parce que j'ai pris un peu en retard. Putain, c'est mes coéquipiers qui me bloquent, quoi. N'importe quoi. Allez, on remonte sur le côté gauche de la route. Ou droite, c'est bien. Et le pain, il a fait une bloc, il m'a pas bloqué. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Donc, on est bien là, les grands plateaux. Un petit plateau, c'était un petit bug d'affichage. Cummings. L'avance de l'échappée maillot à poids diminue. De la MTN. Ça va être difficile pour eux. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. On va rouler avec Daryl, on va se mettre en tête comme ça, on ne peut pas se faire surprendre. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Oh ça part déjà avec Arnaud Démare là. Mais Tom Bonnen qui est là, on va prendre sa roue. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Dommage. On a déjà donné le ravito. Hop. C'est très cool. S'il veut prendre des points pour le maillot. S'il est là. Vert, il doit s'échapper. Okay. Très bien. Il est resté dans le peloton, va attendre qu'il récupère une bonne barre bleue et il va attaquer. C'est bon, là il pourrait attaquer. Je pense pas qu'il va rentrer dans ce col-ci, enfin dans cette côte-ci, mais il va rentrer dans la prochaine quoi qu'il arrive. C'est pas mal. On est parti, hop. Il va basculer dans la descente, du coup ça va aller. Mais il est tellement nul. Oh là là. Classement grappeur dans 2 km pour l'échapper. Les coureurs entament maintenant une côte assez pentue. Il s'agit de la côte de Tizi. Ils sont juste là. Au pire, il prend son gâteau, il va rien jouer lui dans le final du coup. Ouais, on s'en fout que la connexion wifi a été interrompue. Allez, Layette, tu peux rentrer. 1 km du sommet, ça va, ça attaque là. C'est normal qu'on ne reprend pas de temps. Encore même quand ils attaquent, on reprend un peu de temps. On va basculer. Oh, mais il est mauvais. Il est rentré, mais il va se relâcher. Un truc de fou. Compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Pourquoi accélérer le rythme? Oh là là, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon, on va aller avec Anacona dans le peloton. Et écoutez, on va aller vers le final là parce que c'est bon quoi. Alors Anacona, il est où? Ah ouais, Yet, il va rentrer, mais il n'y a plus de colle maintenant. Et encore, il rentre pas. Anacona, il est là, ok. Je vérifie bien sa barre.
pas que ça roule, hyper. Oh là là, hyper de trop. Ça va, hyper pas, c'est bien, ça va. Ça va, hyper pas de trop, Anacona, on va pouvoir tenter un truc. Bon, Huyette, voilà. Le peloton roule fort, restez bien placé. Ah, mais il s'est déjà fait reprendre, comme ça, c'est parfait. 95ème. Je comprends pas comment un leader d'une team peut être 95ème à l'arrivée. Je comprends pas surtout que c'est une arrivée pour puncher où il va avoir des cassures. C'est très plat, c'est une partie très roulante là du circuit, donc faut leur faire gaffe. Mais normalement quand ils vont reprendre l'échappée, ça va arrêter de rouler comme ça. On est dans la route Freisinger. Ok. Hop. Beaucoup de virages là dans cette ville. Je sais pas où on est. L'échappée résiste bien au retour du peloton. Mais je sais plus c'est quoi. L'écart semble stabilisé. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vent. Sinon, ça aurait fait des dégâts. Peloton groupé. Seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Oh là là, mais ça roule trop vite. 5 km du classement grimpeur, on l'a vu. Bon, ça a été repris, ça va arrêter de rouler normalement. Enfin, ça va diminuer l'allure, quoi. Ou pas. Ok, est-ce que ça va les autres? Non, ça va, on va déjà leur donner leur ravito parce qu'il y en a qui sont mal. Oula. Ok, là il va falloir se mettre gros braqué pour pouvoir rester en tête de peloton. Voici l'avant-dernière difficulté de la journée, la côte de la Croix-Rousse. Bloqué là par la sélection peut maintenant commencer. Bombardé, il met un grand braqué là. Avec Anacona aussi, on va mettre un grand. Pour marquer des points si on veut pas se faire distancer au classement de la montagne. Oh là là. Ah, on va se faire bloquer quoi. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. On se fait bloquer par tout le monde. Ils savent pas rouler autant. Ou rouler mieux que ça, je sais pas. Ok. Attention, la descente est faut qu'on reste avec eux, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir à la Philippe qui fait. Oh putain de Wert. Ils sont chiants, hein. Pourquoi ils s'écartent pas sur voilà le côté. On va prendre notre gâteau. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Rebza est tombé, c'est dommage. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Ok. Ça roule pas si fort que ça, c'est bien. Là, ça roule partout. Là, ça roule 5 km de l'arrivée. Il vient de tomber. Chute de Gianpaolo Caruso. On m'a dit aussi c'est pas Wilfried, c'est c'est Winner. Je suis désolé pour les erreurs que j'ai fait, mais c'est Winner apparemment. Ça risque de provoquer des cassures. Voilà, désolé. Grosse chute dans le peloton. Il y a une chute. Okay. Là ça va rouler. Là ça va rouler très fort. Duchère. Après c'est tout en descente jusqu'à la ligne d'arrivée. Autant dire que celui qui passe seul au sommet a toutes les chances de s'imposer. Sauf qu'on voit pas le nombre de kilomètres du sommet. On est très bien passé en tout cas. On est très bien passé avec Anacona. Il y a Backlands qui remonte. Yann Backlands, le belge. Il va faire un tempo. Oh, c'est encore loin. Oh, c'est encore loin. J'ai peut-être un peu sous-estimé là. Surestimé Anacona. Je l'ai peut-être un peu surestimé. Oh là là, on va pas passer. On va pas passer. Si, on va passer. On va passer de justesse. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Faut récupérer là. Allez là. Dernier kilomètre, faut sprinter. On va pas passer. On va pas passer là. Oh là là, on termine en défaillance. On va terminer dans le groupe. Allez, s'il te plaît, accroche le groupe. Oui. C'est bon là. Enfin, je pense que tout le monde va terminer dans le même groupe, à moins qu'il compte les petites cassures là, mais je pense pas. Ça va, on est resté dans le même groupe, j'ai pas vu c'était la victoire de qui, je pense que c'est Gay Ones parce que j'ai cru voir un Orica lever les mains. On verra, on verra. Bon, ce début de Dauphiné, pas très... Qui se passe pas... Non, c'est un Français, c'est Bardet qui gagne. Oui, c'est Romain Bardet qui l'emporte, qui s'impose. Termine devant Hiver.
Mark Time, Pay Landa, Yates, Red Zay, ils ont pris cher. Impay, ça va. Ouais. Du coup, là, on remplit aucun objectif. Paul Martens, toujours leader avec Anacona, on est à 2,28. Oh, niveau récup. Oh là là, Yates. Oh, Simon Yates. Oh là là. Bon, avec Anacona, il est où? Il est là. Il y en a beaucoup aussi qui disent Anaconda. Bon, les gars, on va se calmer sur les noms quand même. Parce que bon, Anaconda, je veux bien, mais. Ouf, la montagne de Lure. C'est considéré comme une étape de vallon, mais ça va faire très mal la montagne de Lure. Hein, très souvent là dans le Paris-Nice, si je dis pas de bêtises. C'était là dans le Paris-Nice 2013, il me semble. Il me semble. Donc la prochaine fois, les gars, deux grosses étapes hein, de montagne, on peut le dire, même si là c'est considéré comme du vallon. On va pouvoir enfin s'expliquer avec Anacona et tenter de rentrer dans le top 10 de ce critérium du Dauphiné. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à remercier dans les commentaires, tout comme moi, notre ami Flavio qui nous a fait des magnifiques shows sur la chaîne. Grâce à lui, ça devient de plus en plus pro et je tiens encore une fois à le remercier. Et n'oubliez pas que je suis passé partenaire avec Gameoniac et que du coup vous pouvez avoir un code de réduction de 7€ sur tous vos jeux préférés avec le code Styros-Cyclisme-GAMO7. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez, tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao. Gerons, Bardet, Mollema, favori. Ouais. Anacona n'est pas un puncher, loin de là. Mais franchement, il y a moyen de terminer normalement dans le top 10 avec cette équipe-là. J'ai vu des autres youtubeurs qui ont réussi avec des équipes moins fortes que ça. J'ai vu Alex Gaming, pour ceux qui connaissent, qui a terminé avec Cyril Gauthier dans le top 10. Donc. Simon Yates et Yann Barta. Ouais. Finir dans les 20 premiers. Anacona en vallon 75. Ouais, il est pas mal quoi, il est pas dégueu. On va essayer d'envoyer Yates et Barta dans l'échappée. Et puis Jonathan Hiver, il terminera pas. Enfin, il y a moyen qu'il termine dans le top 20. Hein. On va lui demander de nous protéger avec. De protéger Anacona, comme ça il sera avec nous à la fin. Alors. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une étape qui pourrait bien sourire aux baroudeurs. Le final n'étant pas vraiment favorable aux sprinteurs, avec deux côtes assez rapprochées dans Lyon. On peut dire d'ailleurs que celui qui passera seul en tête la dernière difficulté aura vraiment des chances réelles de s'imposer. Ok, on est parti avec Simon Yes. Il y a Tom Dumoulin qui nous suit, l'ancien maillot jaune. Il y a Mollard, Demarquis et Offredo. Et ça roule. Moi aussi, pourquoi Tom Dumoulin il sort? On peut essayer de marquer des points pour le maillot à poids aujourd'hui. Mais attention à ne pas laisser trop de force. Les étapes de montagne seront plus décisives. Ok, on a lâché Tom Dumoulin. Il faut pas que Tom Dumoulin arrive à rester avec nous dans l'échappée. Ok. L'échappée n'aura pas été loin. Attention maintenant aux contre-attaques. On va attendre de reprendre un peu d'énergie et on va repartir. J'attends que Tom Dumoulin se renferme dans le peloton. Ça va attaquer là. Tentative d'échapper. Est-ce qu'il y a Tom Dumoulin? Oui, il y a Tom Dumoulin, qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, que ça va rouler, il y a Tom Dumoulin. Ah, moi je roule pas pour vous les cocos. Excusez-moi. Petit éternuement et ça reparle avec Offredo. Est-ce que Dumoulin y suit? Ah ouais, Dumoulin, hein, qu'est-ce qu'il veut partir dans l'échappée? Il est 15ème au général. Il est con ce gars. Il est 15ème au général, il essaye de partir dans l'échappée. Normal que ça roule. Ça repart. Et on n'a plus d'énergie. J'ai pas l'impression que ça va nous laisser partir. B
Yoranton, il est là aussi. Pourquoi ils veulent déjà sortir, eux? Ça leur sert à quoi de venir dans l'échappée? Tom Dumoulin qui relance. On est avec Mollard. Faut pas laisser rentrer là. Pourquoi il roule pas? Ah oui, c'est rentré. C'est pas totalement rentré, il faut continuer à rouler. Il y en a qui n'arrivent pas à rentrer. Si, c'est bon, c'est rentré. Ça sert à rien. Le peloton ne laisse pas. En même temps, qu'est-ce qu'ils vont laisser partir Tom Dumoulin? Il est 15e. Ils savent que s'ils laissent partir et que l'échappée prend trop de temps, il peut prendre le maillot. Franchement, là, je suis bloqué. Je sais pas quoi faire là avec. On est repris. Ça repartirait cet homme du mal. Il passe à l'offensive. Est-ce que il est sûrement intéressé par le prochain sprint intermédiaire car il est bien classé. Attaque! Attention, il vise le maillot à poids. Attaque! C'est pas pour moi qui roule. Non. Ce n'est pas pour moi. Et ils ont laissé partir Tom Dumoulin. Ils ont quand même fini par laisser partir Tom Dumoulin. Est-ce que si on simule, je suis rentré. Est-ce que ça va partir? Oh là, il va se relâcher, Yates. Non! Putain. Il s'est fait lâcher le con. Oh lolo, c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi il s'est fait lâcher aussi? Il va rentrer, moi je vous le dis. Bon rouleur avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il pourquoi ne va pas il vite il s'est fait sprint. Lâcher. Pourtant il a une bonne endurance, je sais pas. Je sais pas. C'est un bon puncher, il faut particulièrement le surveiller dans les bosses. Vous savez quoi, on va le laisser rentrer dans le peloton et on va ressortir plus tard. Parce que là, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. On va passer sur... Daryl Impey. 51ème, ça va, il est pas... Et lui, heureusement, parce que j'ai pris un peu en retard. Putain, c'est mes coéquipiers qui me bloquent, quoi. N'importe quoi. On le ravito. Bien reçu. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course. T'inquiète. Ok. On est pas mal. On est rentré dans le peloton tranquillement. On va reprendre au pied de la dernière bosse, la quatrième catégorie. Je sais qu'ils prennent cher. Je sais. Oh là là. Ils ont déjà pris très cher, quoi. Anacona aussi, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils foutent en 100ème position aussi? Oh là! Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Qu'est-ce qu'ils foutent en 140ème position? Je me le demande bien. Parce que ça va être très chaud de faire une place là. C'est un routier puncher à l'aise sur les parcours vallonnés. C'est bon, ça a arrêté de rouler un peu. Ça roule assez tranquille là. On peut se récupérer un peu. Dernière côte de la journée pour les hommes de tête. Une fois au sommet, ils sont dedans. Il restera Martin qui a lâché ses compagnons. Oula, on va prendre cher hein, dans la côte la avec Impey. Aura du mal à creuser plus d'écart. Surtout qu'elle fait combien? Elle fait quasiment 3 km. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. J'ai l'impression que le jeu s'accade, c'est un truc de fou. Peut-être une impression, je sais pas. Les premiers sont à 2 km du grimpeur.
Oh là là, mais ça roule trop vite. Pourquoi il roule aussi vite? Fort, restez bien placé. 2 minutes 30, ça ira au on bout et ça sert à rien de continuer à rouler. La pédale. Elle arrive encore à creuser les cales. Oh là là. Oh, ça va, elle va être très longue cette côte. Elle va être les très longue. Roule pour protéger le maillot. Ça sert à rien, votre maillot, vous l'avez perdu, hein, les gars. Oh là là. Ça roule très très fort. Ça roule même trop fort. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Pierre Rolland est là. Un kilomètre du sommet, ce serait cool qu'on gagne qu'on garde le gâteau. Le nouveau maillot à poids. Et il vaut mal gérer. Non, ça va. Voilà le classement du dernier grimpeur. Là. Changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes. J'ai dû prendre mon gâteau, on est au sommet, plus c'est dommage. Vient de se faire lâcher. Oh, Modolo. Oh, il y a des sprinteurs qui lâchent. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il t'es soit au boss. Là pour disputer le sprint. Ah, il y a des. Non, faut pas lâcher. Ah, je peux pas sprinter, j'ai pris mon gâteau. Oh, ça, ils sont en train de partir là. Oh là là, c'est très dur. On a un petit groupe là. Avec les. Oh là là, ils m'ont bloqué. Et d'une force. Faut que je récupère là. Faut que je récupère avec Daryl. Sinon on va pas terminer l'étape. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Oh là là, j'ai cru que j'allais tomber. On arrive à rentrer, il n'y a pas de sprinter. S'il y a Tom Bonin, c'est tout. Donc, si on arrive à rentrer. On a un petit groupe là. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. C'est très chaud. C'est très chaud derrière avec Anacona. Notre leader est tombé. Oh non. Suite pour qu'il ne perde pas de temps en général. Aïe aïe aïe. Pourquoi? Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Il est dans le groupe de derrière. Il essaie de revenir. Il va faire une fringale. Et ça va se battre devant. Oh, ils sont revenus à une minute. Arthur Vichot qui a attaqué. Arnaud démarre, il est là avec Tom Bonnen. À 2 km de la ligne. Ça joue entre Démarre et Bonnen. Et moi, je peux plus suivre. Je peux plus suivre là avec Daryl Impey. On est avec Boissonagel. On est avec des sprinters. On va terminer avec eux. Simon Yates est là. On va juste passer sur Anacona pour voir où il est où. 3-15. Oh là là. Il a tellement fait de la merde. Étape de plaine qui a fait des dégâts quand même. Hein. Elle a fait des dégâts cette étape. J'ai l'impression que le jeu saccade, c'est horrible. Oula, le petit bleu. Oula. C'est qui lui? Reza. Kevin Reza. Oula, non. On va faire des fringales. Ça va nous tuer si on fait une fringale. Ok. Ah, on a pris très cher hein, avec Anacona. Ça va être très très chaud. Je sais pas pourquoi le peloton a roulé comme ça. Un truc de malade. Oh lolo. Je comprends pas en fait le peloton dans ce jeu. Il roule comme des porcs tout le temps. C'est un truc de fou. Paul Martens qui s'impose en solitaire. On prend déjà très cher. On prend une... Ah. Ouais, ça va. Ça va. Anacona 2,28. Ouais, 2,28 quand même. Il va vraiment falloir les récupérer ce temps. On est full énergie, donc ça va. On prend quelques primes avec Simon Yates. Et on est parti pour cette étape de vallon. Là, par contre, on va prendre Anacona dans le final parce que, quoi qu'il arrive, Daryl Impey ne suivra pas. Du coup, on va rester avec Anacona pour pas qu'il se fasse lâcher. Essayer déjà de récupérer du temps, ça peut être pas mal. Et essayer d'emmener Simon Yates dans l'échappée. Ça serait vraiment pas mal non plus. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous m'entendez moins fort. Alors que pas du tout, j'ai rien bougé. J'espère que c'est qu'une impression. Eh bien, salut tout le monde, c'est Cyrus et on se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de
notre mode Pro Team sur le Tour de France 2015. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien, les amis. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier énormément Flavio qui m'a gentiment fait ma bannière et mon logo, ainsi que les miniatures du mode Pro Team. Donc, n'hésitez pas également à le remercier dans les commentaires, car si j'ai une aussi bonne bannière et logo et miniature de Pro Team, c'est grâce à lui. Donc voilà, un grand merci à toi Flavio pour tout ce que tu as fait pour moi en termes de miniature, bannière, tout ça. Et puis je voulais aussi vous dire que je suis passé partenaire, et ça c'est grâce à vous et je tenais à vous le remercier. Je suis passé partenaire avec Gameoniac et vous pouvez avoir un code de réduction de 7€ grâce au code STYROS-CYCLISMEGAMO7. Donc à votre inscription, de toute façon dans la description de toutes mes vidéos maintenant il y aura le lien pour y aller sur le site. Vous pourrez rentrer ce code à votre inscription sur le site pour avoir des jeux moins chers. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et tous les mois, j'aurai un code cadeau de 25€ à vous faire gagner. Que je vous le dirai dans des vidéos pif comme ça. Donc restez à l'affût. Donc voilà. On peut commencer cette vidéo. On est en 2017 avec notre bonne équipe. La dernière fois, on a failli gagner le critérium international, mais on ne l'a pas gagné. Aujourd'hui, on va faire les 3 premières étapes de ce critérium du Dauphiné avec le premier chrono, ce prologue pardon, entre Nevers et Nevers de 2 km, une étape de plaine entre Retournac et Saint-Vallier et une étape de vallon entre La Palisse et Lyon. Et la prochaine fois, on fera la montagne de Lure et le plateau des Cossoles, tout simplement. Comme ça, ça sera pas mal. Et puis voilà, on est parti, les gars. On va pas perdre plus de temps que ça pour ce critérium du Dauphiné, saison 2017. Du coup, on avance déjà pas mal. Et normalement, aujourd'hui sortira la FAQ, soit elle sortira avant cette vidéo, vous la verrez déjà, donc ça sert à rien que je vous le dise, ou soit elle sortira après si elle n'est pas encore sortie, mais ne vous en faites pas, je suis en train de bosser dessus, car vous avez été très nombreux, je dois avoir une soixantaine, septantaine de questions en tout, je pense qu'elle va durer pas mal de temps. Là, je suis en train de prendre tous les commentaires, tous vos commentaires, toutes vos questions. Alors, je pense qu'on va prendre Anacona pour ce chrono parce que la dernière fois je l'avais pas pris et ça s'était payé cash, ou alors on prend... Franchement je sais pas. Non, on va prendre Barta. On va prendre Yann Barta, c'est mieux, on va laisser Anacona se gérer tout seul. Maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Ok. Allez, c'est parti avec Yann Barta sur ce chrono. On avait fait une belle troisième place la dernière fois, du coup il y a moyen de faire beaucoup mieux. Même s'il y a des meilleurs coureurs hein, maintenant. Sur le Dauphiné, par rapport au critérium international, il y a des meilleurs coureurs. Donc je sais pas s'il est capable de gagner, Yann Barta. Ok. On prend bien les virages pour le moment. Ok. Hop. Là c'est un faux plat montant. Allez, à fond jusqu'à la ligne. Ok, allez Yann. Oh, on a magnifiquement géré. Là on a été en défaillance. Allez, 1 mm avant la ligne, on a été en défaillance. C'était parfait. On a bien relancé au bon moment. Est-ce qu'on gagne? Non, Yann Barta. Il est où Yann Barta? What? Il est 16ème Yann Barta, 8 secondes. Anacona perd 34 secondes, ouais, ça va. Ça va encore. Les gars, ils étaient en super forme. Anacona était en super forme, donc ça va. Il a limité la casse, il est avant-dernier. Écoutez, Tom Dumoulin sera le premier maillot jaune de ce critérium. On voit Sonagun qui fait une très belle deuxième place. Écoutez, on va continuer. Petite sauvegarde. Calme. Hop. Ok. 10 000, c'est pas mal. Et on est parti pour cette deuxième étape de plaine. Les équipes de sprinteurs tenteront sûrement d'imposer leur rythme, mais les côtes situées dans le final permettront aux plus audacieux de contrarier leur plan. Écoutez, c'est parti pour cette étape. Je voulais vous parler aussi d'une chose, c'est que je pense commencer des lives, vu que maintenant je commence à avoir une bonne communauté derrière moi. Du coup, je pense faire des lives sur Tour de France et PCM. Et je pense en faire un ce soir, de live sur Tour de France. On sera un pro team ou alors un tour, comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à venir nombreux.
la chaîne Twitch sera dans la description. Et de toute façon, vous, si jamais il y a un live ce soir, vous verrez une vidéo annonce sur la chaîne arrivée d'ici peu. Tout simplement. Voilà. Alors, temps de chargement toujours hyper long. S'il te plaît, le temps de chargement, accélère quoi. Pète un câble. Ouais. Ok. Nari Limpei, faire un top 25 à l'étape, il y a moyen de faire mieux, je pense. Et pourquoi pas demander à quelqu'un d'aller dans l'échappée. Pourquoi pas Simon Yates. On va demander à Simon Yates d'aller dans l'échappée. Et pourquoi pas qu'il prenne un petit maillot. On va essayer de viser un maillot à poids avec Simon Yates, ça peut être pas mal. Et puis on aura Landa pour nous occuper en montagne. Ok, alors. N'oublions pas que c'est des... Mesdames et messieurs, bonjour. Les pronostics sont assez ouverts pour cette étape. Les côtes situées en fin de journée devraient mettre en difficulté les sprinteurs, mais il n'est pas certain qu'ils perdent contact avec le peloton. Ok. Donc, j'allais dire... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que c'est des variantes des étapes, et ça, ça fait plaisir de ne pas tout le temps avoir les mêmes étapes. Là, ça permet d'avoir des étapes différentes sur le critérium du Dauphiné et ça fait plaisir. Bon, après, j'espère que ils nous ont pas créé qu'une variante. Parce qu'on a vu que sur le critérium international, apparemment, la première étape avait changé. J'ai pas fait gaffe. On me l'a dit dans les commentaires, donc apparemment, ça aurait changé la première étape. Donc voilà, mais sinon, ils avaient gardé deux étapes sur les trois et j'espère qu'ils vont changer. Et qu'on n'aura pas toujours le mont Ventoux au critérium international, parce qu'à la longue ça va être répétitif, je pense. On va prendre les points tranquilles là, on va prendre deux points. Surtout que c'est les premiers points, donc on pourrait être le premier maillot à poil avec Simon Yates, qui est en excellente forme. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Mais si, il y a Stephen Kunks derrière de la BMC. On prend les points tranquilles. On prend deux points. Tu viens de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. C'est bien, continue comme ça. Le peloton, est-ce qu'il va laisser partir le peloton? On peut tenter. C'est Monier, si je regarde un peu, il laisse pas trop partir. Il a pas laissé partir. On m'a dit aussi de laisser partir et que quand je voyais que ça prenait trop de temps, de rejoindre. Le peloton roule fort, restez bien placé. Roule. Ouais, il roule. Et on va essayer de faire ça, je pense. Où là on a 1,5 km quand même, on va attaquer. Oh, on est très loin, on sera pas attaqué. Bon, qu'est-ce qu'il faut à la 160e place quoi. On va attaquer après cette côte. Oh là là. En plus pour remonter, je vous dis pas la galère. Allez. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est foutu dans la merde là, Yet. Ah ouais, ils sont au sommet là. On va pas pouvoir prendre les points, c'est le peloton qui va les prendre ou alors ça va attaquer, je sais pas. Monte petit à petit. Il y a personne qui attaque. C'est assez étonnant. Personne ne veut les points. Tant mieux pour nous. Lui au Westfrak est parti. Il a juste pris les points. Le peloton vient de rentrer. Oh là là, la galère quoi, pour remonter. C'est un peu le bordel. Thomas Vauclair et Kreuziger qui sont là. Oh là là. Michael Nievé. Ok. Il y a peut-être de l'espace sur la gauche là de la route. Ah Simon, dégage. Ok. C'est parti, hein, c'est parti, j'arrive pas à remonter moi. Oh là là, les gars, laissez-moi remonter. Il prend virtuellement la tête du classement général. Ok, on est remonté. Virmoz, il est là. Maxi Virmo. Ok. Oula, c'est pas une bonne idée ça. Oh là là. Allez, ça y magnète. Les hommes de tête creusent l'écart, mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Pourquoi ils roulent quand il y a Simon Yates qui part? Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Pourquoi ils roulent quand c'est Simon Yates qui part? Il est pas dangereux pourtant Simon Yates. Simon Yates n'est pas dangereux du tout. Encore un avion qui passe. Non, écoutez, ils vont pas nous laisser partir. Ah, quoique. Ils ont abandonné.
ont abandonné apparemment. Enfin, oh là là. Non, ils vont pas laisser partir Simon Yates, tant pis. On prendra pas l'échappée aujourd'hui. Et on va se concentrer avec Daryl Impey sur les sprints. On va même directement passer sur lui. Daryl Impey. Je pense faire une petite session, donc je pourrais pas vous voir vos commentaires pour cet épisode. Parce que là, je compte tourner peut-être un, voire deux épisodes à la suite. Après celui-là encore. C'est l'équipe du maillot jaune qui assure la poursuite de l'échappée. J'hésite à faire tout le Dauphiné en entier de mon côté. Parce que j'ai pas mal envie de jouer pour le moment. Du coup, je verrai. Je suis désolé pour la vibration que vous avez eue. Ok. Alors, on va reprendre bientôt. Ouais, 10 km de street, on va reprendre. Aïe Daryl. Pour prendre des points. Ouais, il y a du. Oh là là. Il y a du. Oh putain, mais pourquoi ils sont toujours mal placés comme ça? 140ème quoi. Oh là là, ça va être la galère pour remonter, hein, je vous le dis. Attention à lui, ça va sur la gauche, c'est pas mal dégagé. Il peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boss, mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Faire le ski, on prend sa roue. Hop. Oh là là, ça va être la galère pour remonter. Sur la droite. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Sur la droite, on peut. Oh là là. Ah, ça se referme. Non, laissez-moi passer. L'échappée perd du terrain. Oh là là, les gars, 5 km. Allez, laissez-moi passer quoi. Oui, oui, oui. Ah, mais ça roule fort en plus. Putain, en plus, il bouge. Hein. C'est con. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Oh, la galère pour remonter. Il a remonté tout juste quand même. Heureusement que j'ai repris à 10 km et pas à 5. Il y a Nasser Bouani qui est là. Tom Dumoulin. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. On est à 2 km encore. On est encore à 2 km. Ça part déjà. Oh, on bosse comme ça. Oh là là, ça va faire mal ça. Oh, ça va faire mal. Edval Boissenhagen, il est là. On prend sa roue. On va le doubler. Bien joué. Ok, on va prendre une belle place là avec Daryl. Nasser Bouani qui a gagné. Démarre devant Bouani, pardon. On prend 7 points. On est 9ème. On va demander à tout le monde de prendre. Allez. On remonte sur le côté gauche de la route. Ou droite. C'est bien. Le pain, il a fait une bloc, il m'a pas bloqué. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Oh, on est bien là, les grands plateaux. Un petit plateau, c'était un petit bug d'affichage. Cummings. L'avance de l'échappée diminue. De la MTN. Ça va être difficile pour eux. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. On va rouler avec Daryl. On va se mettre en tête comme ça, on ne peut pas se faire surprendre. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Oh, ça part déjà. Ça part déjà avec Arnaud Démarre là. On a Tom Bonhomme qui est là. On va prendre sa roue. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Dommage. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Dommage, dommage. On a déjà donné le ravito. Hop. C'est très cool. S'il veut prendre des points pour le maillot, s'il est là. Vert, il doit s'échapper. Okay. Très bien. Il est resté dans le peloton, on va attendre qu'il récupère une bonne barre bleue et il va attaquer. C'est bon, là il pourrait attaquer. Je pense pas qu'il va rentrer dans ce col-ci, enfin dans cette côte-ci, mais il va rentrer dans la prochaine quoi qu'il arrive. C'est pas mal. On est parti, hop. Il va basculer dans la descente, du coup ça va aller. Mais il est tellement nul. Oh là là.
grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Les coureurs entament maintenant une côte assez pentue. Il s'agit de la côte de Tizi. Ils sont juste là. Au pire, il prend son gâteau, il va rien jouer lui dans le final du coup. Ouais, on s'en fout que la connexion wifi a été interrompue. Allez, Layette, tu peux rentrer. Un kilomètre du sommet, ça va, ça attaque là. C'est normal qu'on reprend pas de temps. Quand même, quand ils attaquent, on reprend un peu de temps. On va basculer. Oh, mais il est mauvais. Il est rentré. Il est rentré, mais il va se relâcher. Truc de fou. Tes compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Pourquoi accélérer le rythme? Oh là là, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon, on va aller avec Anacona dans le peloton. Et écoutez, on va aller vers le final là parce que c'est bon quoi. Alors Anacona, il est où? Ah ouais, Yet, il va rentrer, mais il n'y a plus de colle maintenant. Et encore, il rentre pas. Anacona, il est là, ok. Je vérifie bien sa barre. Pas que ça roule, hyper. Oh là là, il perd de trop. Ça va, il perd pas. C'est bien. Ça va. Ça va, il perd pas de trop. Anacona, on va pouvoir tenter un truc. Bon, Yet, voilà. Le peloton roule fort, restez bien placés. Ah, mais il s'est déjà fait reprendre, comme ça, c'est parfait. 95ème. Je comprends pas comment un leader d'une team peut être 95ème à l'arrivée. Je comprends pas surtout que c'est une arrivée. Échapper un peu de chance d'aller pour au bout. Puncher, où il va avoir des cassures. C'est très plat, c'est une partie très roulante là du circuit, donc faut leur faire gaffe. Mais normalement quand ils vont reprendre l'échappée, ça va arrêter de rouler comme ça. On est dans la route Freisinger. Ok. Hop. Beaucoup de virages là dans cette ville. Je sais pas où on est. L'échappée résiste bien au retour du peloton. Mais je sais plus c'est quoi. L'écart semble stabilisé. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vent, sinon ça aurait fait des dégâts. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Oh là là, mais ça roule trop vite. 5 km du classement grimpeur, on l'a vu. Sinon, ça a été repris, ça va arrêter de rouler normalement. Enfin, ça va diminuer l'allure, quoi. Ou pas. Ok, est-ce que ça va les autres? Non, ça va, on va déjà leur donner leur ravito parce qu'il y en a qui sont mal. Oula. Ok, là il va falloir se mettre gros braquet pour pouvoir rester en tête de peloton. Voici l'avant-dernière difficulté de la journée, la côte de la Croix-Rouge. Si on se fait bloquer là par Romain Bardet, maintenant commencer. Romain Bardet, il met un grand braquet là. Avec Anacona aussi, on va en mettre un grand. Des points si on veut pas se faire distancer au classement de la montagne. Oh là là. Ah bon, on va se faire bloquer quoi. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. On se fait bloquer par tout le monde. Ils savent pas rouler autant. Ou rouler mieux que ça, je sais pas. Ok. Attention, la descente est. Faut qu'on reste avec eux, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir à la Philippe qui fait. Oh putain de Wert. Ils sont chiants hein, pourquoi ils s'écartent pas sur voilà le côté. Le classement du dernier grimpeur. On va prendre notre gâteau. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Redza est tombé, c'est dommage. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général.